colle pour la piqûre d'Alma, qu'elle connaît très très bien. D'abord, on enferme tous les autres chiens. Dilly, la jalouse, elle est dans le chenil. Et Alma, elle nous a pour elle toute seule. Alors, elle est contente. Hein, ma louloute ? Oui. On vient se positionner pour la piqûre. Alma, allez, on y va. La piqûre. Tant que je prépare, tu peux te coucher si tu veux. Voilà. Puis tu m'attends. Hein. Ça demande quelques instants de préparation avec ces fichus. Elle est super sage, hein? Hein, Alma? Ça va, Alma? Ah oui, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne, Alma. T'es trop mignonne. Depuis quand t'as vu les selles noires, là? Depuis combien de temps? Ce matin. Ce matin? Oh, tout à l'heure, c'était pas noir, c'était vert. Bon, alors, il ira bien. Ça peut pas lui faire de mal, le pansement intestinal. Hein. Voilà. C'est chaud. On a commencé quand, le 14 juillet, les piqûres? Mais il faut regarder précisément, oui. C'est autour du 14. Oui, ça doit être le 15 ou un truc comme ça. Et on est le 26. Donc ça fait 11 jours. On a fait un tiers des piqûres, quoi. Alors sur la notice, il est indiqué que des fois elles peuvent faire mal. Oui. Effectivement, une fois, hein, Axel. Hier ou avant-hier, hier, elle a fait hic. Donc... Il y en a une qu'elle a pas appréciée. Ouais, pour les autres, si elle ne bouge pas, ça se passe très très bien. Et c'est mieux en position couchée? Oui. Alors, il y a toute une technique, parce que position couchée, donc Axel va se mettre à sa tête. Alors, il ne faut pas qu'il lui mette la tête sous la gueule, parce que sinon elle joue et elle mord. Il ne faut pas qu'il mette la main sur la patte, parce qu'elle joue aussi. Oui. En fait, il faut qu'il l'endorme un peu en gratouillant la tête ou le ventre, selon. Bon. Le ventre, ça marche moins bien. Et tu vas briefer Muriel pour la semaine où tu n'es pas là. Il y aura Axel toujours ou pas? Oui. Tu seras là? Il sera de service pour les piqûres. C'est bien. Pour mon absence. Voilà, donc si on est prêt. Voilà. Mon pépette, ça. Mon petit pépette. Donc, il ne faut pas l'exciter, parce que sinon, elle joue. Et du coup, elle bouge. Bon, des fois, elle bouge un petit peu quand même. Et globalement, ça se passe très bien. Sur la tête, sur le dessus de la tête. Une bonne fille. Comment? Elle va avoir ses croquettes. Entre chaque piqûre, il y a des croquettes. Après, le massage, c'est ce qu'elle préfère. Le massage pour pas qu'il y ait de boules qui se forment. Alors après, il faudra que tu fasses des fausses piqûres après. Voilà, petite piqûre entre les deux. Petite. Récompense plutôt entre les deux. Oh oui. Oh oui. On aime bien ce qu'on a quand même. Elle est rigolote parce que ça fait. Je pense que ça pique un petit peu, ça fait un petit peu mal, mais elle aime qu'on s'occupe d'elle. Ouais. Donc. Oui. Bah oui. Oh oui. Voilà. Alors, la petite friandise. Miam miam. Il a pris doucement aujourd'hui. D'habitude, elle croque la moitié de la main. C'est parce que je suis là. Parce qu'elle sait qu'elle est filmée. Elle est filmée, alors. Elle fait très attention à ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, tu vois, après, elle se met de l'autre côté, parce qu'on fait une piqûre de chaque côté. Elle sait tout ça par cœur. Oui. C'est impressionnant. Hein. Elle a pris l'habitude. C'est impressionnant. C'est pour ça que je te parlais du protocole. Ah oui, ça valait le coup d'être filmée. Pas beaucoup de chiens qui feraient ça, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, ben j'en ai dans il y en a qui auraient déjà foutu le camp en courant au bout de la cour. Bonou. C'est ce que je faisais quand j'étais petite et que je devais avoir une piqûre. Je me planquais, on ne me trouvait pas. Ben, si on avait dû faire ça à Tennessee, je te dis pas. Ah oui, ça aurait été l'enfer, lui. Il aurait chiqué. Bon, il ne serait pas resté en place. Je pense qu'il aurait vraiment envie déjà. Donc ça prend un certain temps, tout ça. Les spectateurs sont patients. Elle est tout pure. Je
J'ai pas coupé, hein. Ça sera long, tant pis. Hein. Tu t'es ouvert la main la première fois avec la... J'ai encore la marque. Je me suis coupée. Après, ça a arrêté de saigner aussi. Ça saignait beaucoup. Et j'ai eu mal dans la nuque à suivi. Ah oui, tu t'es coupé profond. Quand on se coupe un doigt, ça doit être absolument atroce. Ouais, moi, c'est ce que je me suis fait une fois. Le tendon, le muscle, tout. Et ça fait mal. Hein, ma puce, ah, voilà. Ça va, toi? Ça va? Attends, ta deuxième piqûre? Bah oui, voilà. Bah oui. Attends, j'arrive. Il y en a du monde. C'est qu'il y a la presse aujourd'hui. Couche. La presse internationale. Ah si. Ah si. On l'a perturbé. Couche. J'étais quel côté? Ouais, ce côté. Couche par là. Perturbé. On l'a perturbé, il y a oui, trop de monde. La deuxième. Elle était côté gauche. C'est ce côté qu'il faut que tu fasses, côté tracteur. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Couche. Non, on recommence. Assis. On l'a perturbé, elle, on a mis trop de temps. Voilà. Couche. Couche. Oui, voilà. Voilà, c'est bien. C'est pas un coucher. C'est bien. Réglementaire, mais c'est un bon coucher. Voilà. Mais quelle fille adorable que c'est là! Mais oui! Oh, quelle fille adorable! Oui. Ouh là là là!